Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour amener en échec le mouvement de l'ITN. Mais malheureusement pour eux, c'était sans tenir compte de la détermination des militantes et des militants qui animent les différentes centrales syndicales membres de l'ITN. Le gouvernement a senti effectivement qu'il y a une force aujourd'hui avec laquelle il faut tenir compte, il faut compter dorénavant. Si depuis 13 ans, on pensait berner le peuple nigérien, aujourd'hui, les travailleuses et les travailleurs se sont réveillés et sont prêts à continuer le mouvement jusqu'à ce que les engagements pris par le même gouvernement puissent être honorés. Mais mieux, à travers les différentes sorties des ministres qui ont voulu dénigrer le mouvement, qui doivent se dire que la loi fait obligation au gouvernement nigérien, après le dépôt du préavis, d'ouvrir incessamment les négociations avec les organisations qui ont déposé les préavis. Malheureusement, le gouvernement nigérien ne l'a pas fait. En n'appelant pas l'ITN aux négociations, c'est que le gouvernement nigérien a aussi violé les dispositions de l'ordonnance portant réglementation de l'exercice du droit de grève au Niger. Eh bien, ils répondront également de leur acte. Pour dire aux camarades qui ont été menacés qu'ils n'ont pas à avoir peur, qu'ils n'hésitent pas à relever les noms. Même si c'est ton chef hiérarchique, il faut avoir l'habitude de dénoncer. Et quand vous allez les dénoncer, nous n'allons pas aussi hésiter à les traduire devant les juridictions. Dans un des points de presse animés, un des ministres disait que les revendications de l'ITN sont des revendications politiques. Si c'était hier, on allait nous dire que nous sommes manipulés par l'opposition. Mais puisqu'il n'y a plus d'opposition maintenant, on trouve autre chose pour nous coller. Quand on prend aujourd'hui les points, je les renvoie, peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi une revendication politique, mais je les renvoie à encore lire les propres engagements qu'ils ont pris et de venir lire les contenus de ce que nous avons mis sur notre préavis et qu'on nous relève le point politique que nous sommes en train de défendre. S'il y a un seul point, nous n'allons pas hésiter à plier nos bagages et à dire que puisque nous avons décidé de mettre fin à faire du syndicat, nous allons partir faire autre chose. Mais ils ne peuvent pas. Lorsque vous entendez un gouvernement qui sort pour dire que les revendications légitimes des travailleurs et d'ordre politique, c'est qu'ils n'ont plus de solution. Eh bien, l'astuce qu'ils peuvent avoir, c'est de vouloir embobiner le peuple. Mais ils ont oublié qu'aujourd'hui, le peuple a tout compris.